Bon les amis, nous arrivons à la cuisson al dente. Donc là, on va éteindre le feu et mon fils, il va goûter le plat. Donc tu vas nous dire ce que tu en penses. Allez, va prends le bout de pain. Tiens, il est là le bout de pain, il est devant toi. Bonjour les amis, nous voici pour une nouvelle recette. Cette fois-ci, on va vous présenter un tagine à l'aubergine et à la viande hachée. Donc les aubergines là, ils viennent de sortir du four, comme vous pouvez voir, ils sont toutes chaudes. Et donc on les a mis au four pour pouvoir retirer la peau. Et donc voilà, on commence par couper les aubergines en tranches, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est le plat qui est typiquement recette cuisine TV, quoi. Donc voilà, vous coupez les aubergines en tranches, comme vous pouvez le constater. Il vous faudra de la viande hachée, hein. N'oubliez pas. Donc il vous faut aussi le plat, hein, pour le tagine. Donc on continue à couper les aubergines et on revient. A tout de suite. Bon, les aubergines sont coupées, les amis. Maintenant nous allons passer à la préparation de la viande hachée. Donc nous allons la saupoudrer d'épices. Donc là on met du paprika. Voilà, une cuillerée de paprika. On prend du poivre. Une petite cuillerée de poivre. Du sel. Une petite cuillerée de sel. Du gingembre. Une petite cuillerée de gingembre, comme vous pouvez le voir. Là, c'est du curcuma. Une cuillerée. Et on a mis de l'ail en semoule. Une cuillerée. Voilà ce qu'il vous faut pour épicer la viande hachée. Pour le bon tagine aux aubergines. On va mettre un peu de... un peu d'huile d'olive. Voilà. Et on va remuer le tout. Voilà, donc après avoir bien remué, on revient. À tout de suite. Alors, j'avais oublié d'ajouter que dans cette mixture, pour la viande hachée, il ne faut pas oublier de mettre de l'oignon et du coriandre au début, avant d'épicer. Voilà. Bon, maintenant, on va allumer le plat de tagine. C'est deux tomates. Nous allons mettre la sauce à la tomate. Dans le plat. Maintenant, on ajoute du double concentré de tomates. On ajoute du double concentré. Vous en mettez dans le plat. On va ajouter un peu de poivre. Du curcuma. Du gingembre, de l'ail en semoule, du paprika, du sel, donc
on met de l'huile d'olive, on mélange le tout. On recouvre. Donc maintenant, on va passer à la préparation des aubergines. Il faut faire un petit réglage du feu quand même, hein. Ne le mettez pas trop fort. On va réduire un peu. Voilà, vous mettez un feu pas trop fort. Donc là, on prépare maintenant les aubergines. Donc vous les enroulez. Vous faites des boules avec la viande et vous les enroulez. Donc voilà, vous faites exactement la même manipulation avec toute la viande et toutes les aubergines. Donc quand c'est fini, on revient. A tout de suite, on vous montre la dernière. Voilà. Donc là, on va mélanger. On va mélanger un peu la sauce qui est en train de chauffer. Et on va éteindre. Voilà. Donc on est bientôt arrivé à la fin du roulage. Donc quand c'est fini, on revient. Bon, tout est enroulé. Voilà. Donc il nous reste plus qu'à mettre tout dans le plat. Donc nous avons des olives avec du citron et de l'ail. Et nous avons du coriandre. Voilà. Et du persil. Donc on va ajouter tout ça dans le feu. Alors. Nous allons ajouter la viande et les aubergines. Voilà, vous faites exactement comme ça et ça sera parfait. Donc n'hésitez pas à faire la recette, à nous mettre des commentaires et surtout pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, voire de partager pour soutenir la chaîne. Merci. Donc nous sommes bientôt arrivés à la fin et nous allons ajouter après les olives, le coriandre et persil. Donc maintenant on passe au persil, coriandre, voilà. Et vous mettez des olives. C'est un mélange de citron et ail. Voilà, donc on va remettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Et on va recouvrir. Voilà, donc maintenant on va laisser mijoter. On va laisser cuire et on revient. A tout de suite. Donc voilà, le plat il est en train de mijoter. Donc on va le laisser cuire. Allez, à tout de suite. Bon les amis, nous arrivons à la cuisson al dente. Donc là, on va éteindre le feu. Et mon fils, il va goûter le plat. Donc tu vas nous dire ce que tu en penses. Allez, va prendre le bout de pain. Tiens, il est là le bout de pain. Il est devant toi. Bon, on a mis le plat. Maintenant,
Mon fils, il va le goûter, vas-y. Et après, on va passer à table. Allez, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bon. Ah bon? Oui. Et donc, t'es pressé d'en manger à table ou quoi? Oui. D'accord. Le dégommer. Tu vas le quoi? Le dégommer. Ah bon? Ok. Bah très bien. Donc, alors, je montre quand même comment ça se passe au niveau de l'aubergine. Voilà, comme vous pouvez voir, la viande, elle est cuite à l'intérieur de l'aubergine. Donc voilà les amis. Donc on va passer à table, nous, on a faim, on a tous faim. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. C'était le tagine aux aubergines et à la viande hachée. Ciao !